Allez, bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va commencer la leçon. On va faire une vision. Tout d'abord, on va faire une vision avec le verbe aller. Vous allez ouvrir le ressource pack à la page 6 et 7 et les matières scolaires, pages 25, 26 et 27. 28 et 29. The next time, on va faire les adjectifs et les contraires, utilisation du verbe avoir, utilisation du verbe être. Mais tout d'abord, first, I want le ressource pack, un cahier et un stylo ou un crayon. S'il y a des questions ou si vous voulez répondre, raise your hand, lève la main. If you want to answer or have a question. Allez, on va commencer avec le verbe aller. Le verbe aller, ça veut dire le verbe to go. Tout d'abord, dans le cahier, vous allez écrire le verbe aller. Si vous avez terminé, levez la main. Allez, j'attends. Ceux qui terminent, lève la main. Je vous laisse le temps. Ça va? On commence. Aller, le verbe aller. Aller, tu m'entends? Je lis. Tu m'entends, je lis? Rukaya? Oui, je lis. Tu m'entends? Allez, verbe aller. Rukaya? Rukaya, tu vas me dire verbe aller. Ça va? Je vais dire maintenant verbe aller. Je vais. Tu vas. Il va. Elle va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Elles vont. Et maintenant, on va faire les questions. On va choisir. Allez, je vous laisse le temps de réfléchir. Et quand vous terminez, levez la main. Raise your hand, please. Ça va, numéro 1? Va. Je commence à lire toute la phrase, all the sentence. Je vais au cinéma avec mon camarade. With my friend. Je vais ou va? Vais. Je vais. Excellent, merci. Allez, numéro 2, qui va dire? Ahmed? Allez, numéro 2. Allez, numéro 2. Chaque semaine. Chaque semaine, ça veut dire every week. Très bien. Nous allons. Nous allons, allez. À la? Ici. Très bien, super, allez, merci. Nous allons à la piscine. Qui encore? Allez, je lis. Numéro 3.
Oui, numéro 3, joli. Hein, tu m'entends, Jolie? Rokaya? Allez, numéro 3, Rokaya. Qui va dire? Allez, joue. Judy? Ok, Lina? Lina. Allez, Lina, aujourd'hui, ma sœur ne... Ali, aujourd'hui, yes. Oui, Ali, aujourd'hui, ma sœur, va. Très bien. Va avec S ou without S? Without S. Très bien. Ne va pas. Très bien. Oh oh. J'ai fait le pantalon. Ne va pas du tout avec le chemisier. Avec numéro 5. Qui va dire numéro 5? Ahmed Hatem. Allez. Numéro 5. Ahmed. Comment? Comment? Fais attention. Fais attention, le sujet c'est vous. Voilà, c'est ici le sujet. Je vais mettre aller ou va? Allez. Très bien, merci Ahmed, super. Comment allez-vous ce matin? Bien, j'espère. On va tourner. Voilà, on va faire choisir encore avec le verbe être, un verbe avoir. Vous allez réfléchir et quand vous terminez, levez la main, raise your hand, please. When you finish, raise your hand. Ça va, on commence. Rokaya? Rokaya, tu m'entends? Ça va? Allez, commence à lire numéro 1. I don't know what we're supposed to finish. Et tu vas faire ici, tu vas écrire verbe aller. C'est je vais ou je vais à l'école? Non, je vais à l'école. Je vais ou je vais? Oui. Je vais. Tu dois réviser le verbe aller. You must study le verbe aller. Très bien, merci. Maîtresse? Oui. Do we have to finish something in the book? Non, the revision sheet is on the Google Classroom. You must study from the book only. Allez, je.
Je vais à l'école. Numéro 2. Allez, Judy. Maîtresse, are we in the new book or the old book? No, the book of the second trimester and third trimester is the same. I don't have the first trimester. No, it's the second, it's the same, the third. There is no third. Ça va? Allez, commence à faire numéro 2. You have the second trimester, n'est-ce pas? C'est ça, page 6. Tu vas trouver le verbe aller. In page 6. Tu vas trouver le verbe aller. Mais l'exercice, c'est in the Google Classroom. You will not... tu ne vas pas trouver une yearbook. Okay. Ça va, commence à faire numéro 2. You can see from the screen? Yeah, I can see. Ça va. Allez, numéro 2. Il... Au restaurant, tu vas faire va ou va? Va avec S ou va without S, sans S? Va. Va, hein? Avec S ou without S? Without S. Très bien, super, merci Judy. C'est il va au restaurant. Numéro 3. Allez, Mira. Nous allons au club. Très bien, super. Nous allons au club. Très bien. Allez, Ali, numéro 4. Ils vont chez papa. Ils vont chez papa. Super, Ali, merci. Ils vont chez papa. Et fais attention, si vous n'allez pas... ne comprenez pas quelque chose, si vous n'avez pas understand anything, you have that meaning here. Ça va? Numéro 5, qui va me dire numéro 5? Allez, je lis. Numéro 5. Ma mère et moi. C'est pas être, c'est E-T, c'est E, E. Ma mère et moi. C'est quel pronom sujet? Allez, je lis. Ma mère et moi, c'est quel pronom sujet? C'est je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S ou elle avec S. C'est quel pronom sujet? Which one? Allons. Oui, c'est allons, juste. Mais quand je dis ma mère et moi, ça veut dire nous. Le pronom sujet, c'est nous. Ça va? Quand je dis Mona et toi, le pronom sujet, c'est vous. Ça va? On va faire vrai ou faux. Vous allez commencer à lire et vous allez me dire c'est juste le verbe qui est là ou pas. Vous allez corriger les verbes, c'est juste ou faux. Et vous allez me dire c'est juste et la correction c'est quoi ou c'est juste. Si c'est faux, vous allez faire la correction. Allez, on commence. Allez, Judy, numéro 1. Oui. Commence à lire. Read. Vous. Vous. Allons. Alors. À la banque. À la banque. Oui. C'est juste ou faux? C'est juste ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Vous allons? You will write verb aller five times. Ok. Judy. Is right? Vous allez? Vous allons? Non, c'est quoi? Non. The right sentence, c'est quoi? Vous, c'est faux, oui. C'est vous à? C'est vous. Allez, vous allez. Ça va? Allez, merci. Mira, numéro 2. Faux.
Vont, très bien. C'est faux, très bien. Merci, Mira. Allez, je lis. Numéro 3. Je vais au restaurant. Oui. C'est juste ou faux? Right or false? Faux. Faux. The right sentence, c'est quoi? Le verbe qui est juste, c'est quoi? Tu? Tu. Correct. Correct the verb. Tu vas. Tu vas, très bien. Bravo. Super. Miss? Oui. Maîtresse? Oui. Which page? It's not in the page. There's a revision sheet in the Google Classroom. You will work with me today in the screen. You will see the in the Google Classroom the sheet. Allez, numéro 4, Ali. Patrick va à l'hôtel. Oui, c'est juste ou faux? Juste. Très bien, allez, merci. Numéro 5, Hamza. Oui. Ah, numéro 5, la réponse c'est quoi? Je vais au théâtre. Au théâtre. Je vais? Faux. It's la réponse, faux. Le juste, c'est quoi? Je? Faux. Je vais au? Je vais. La réponse, c'est je vais. Très bien, merci Hamza. Maintenant, on va faire les matières scolaires. The school subject. Les matières scolaires sont anglais, maths, musique, français, sciences, dessin, arabe, religion et gymnastique. Ça va? Ce sont les matières scolaires. Je fais une expérience. J'ai un cours de. Je fais une expérience. J'ai un cours. Cours, ça veut dire session. J'ai un cours de science. Je joue du piano. Je joue du piano. I play piano. J'ai un cours de musique. Je joue au foot. J'ai un cours. Il y a quelqu'un qui veut répondre? Ça va. Allez, commence à dire. J'ai un cours de quoi? Gymnastique. Super, j'ai un cours de gymnastique. Ça va. Je fais des additions. Je fais des additions. J'ai un cours de... Qui veut dire? Raise your hand, please, if you know the answer. Allez, Mira? Maths. Maths, super. J'ai un cours de maths. Je dessine et je colorie le dessin. Je dessine et je colorie le dessin. J'ai un cours de... Allez, je vous dis... Ça va. Allez, demoiselle, bonjour. J'ai un cours de... Je dessine et je colorie le dessin. J'ai un cours de... Ah. Allez, Ali. Dessin. Dessin, super Ali, merci. J'ai un cours de dessin. J'écris verbe aller. Aujourd'hui, on a appris à écrire le verbe aller. On a révisé le verbe aller. J'ai un cours. Ahmed? Oui, Ahmed. Allez, Ahmed? Hein? Allez, Ahmed, j'ai un cours de quoi? Allez, je lis. Français. Très bien, super.
Oui. Oui. Unmute, Serena, because you can't hear her. No, there is something in the internet because all of you can hear me. J'ai un cours de français. Je cite le Coran. Je cite le Coran. J'ai un cours de Allez, j'ai un cours de Hein, tu ne sais pas? Ça va? Hamza? J'ai un cours de quoi, Hamza? It's the same in English. Je cite le Coran. J'ai un cours de I forgot it, miss. It's the same in English. C'est quoi? I forgot it. C'est religion. Ça va? C'est un cours de religion. J'écris verbe to be. J'ai un cours. Hein? Je vous dis? Anglais. Anglais, très bien, super. J'ai un cours d'anglais. Je te dis, Asma el Ishara. J'ai un cours de quoi? Allez, Ahmed? J'ai un cours. I don't. Je te dis, Asma el Ishara, j'ai un cours de quoi? Allez, je lis, j'ai un cours d'arabe. D'arabe, super. J'ai un cours d'arabe. On va faire maintenant l'exercice. Réfléchissez très bien. Et on va commencer à choisir. Il y a une phrase ici. Tu vas choisir. Je fais une image ou expérience dans le cours de sciences. Il a un cours de dessin. Il a des... You must have what? Crayons de couleur ou calculatrice. Je fais une addition ou expérience dans le cours de maths. Qu'est-ce que je vais faire? Dans le cours de maths, Omar a un cours de gymnastique. Il joue au guitare ou football. Ça va, il y a beaucoup qui ont fini. On va commencer. Allez. Hamza, numéro 1. Je fais une expérience dans le cours de sciences. Super. Je fais une expérience dans le cours de sciences. Numéro 2, Ali. Il a un cours de dessin. Il a des crayons de couleur. Super, il a des crayons de couleur. Allez, Judy. Oui. Allez, numéro 3. Je fais de la addition ou l'expérience? Addition. Dans un cours de maths, je fais des additions dans un cours de maths. Bravo. Allez, Galaxy, c'est qui? Allez, numéro 4. Omar a un cours gymnastique. Hein? Il joue au football. Il joue au football, super, merci. Il joue au football. Allez, on va faire l'exercice, mais ici, on va dire... Juste ou faux? When you say faux, you must say why. Ça va? We'll say the right answer. Allez, réfléchissez, je vais lire. Je fais du piano. J'ai un cours de maths.
Vous allez écrire ici, c'est les matières scolaires. Je colorie un grand dessin. J'ai un cours de musique. J'écris verbe aller. J'ai un cours de français. Je porte un short. J'ai un cours de gymnastique. J'écris verbe to be. J'ai un cours d'anglais. Maîtresse? Oui, c'est qui? Read these two sentences. Judy? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Judy? Oui. Maîtresse, there's two sentences. Oui, je fais du piano, j'ai un cours de maths. C'est juste? Non. Mais c'est quoi le juste? Musique. Je fais du piano, j'ai un cours de quoi? Musique. Musique, c'est ça. Bravo, merci. J'ai un cours de musique. Uh-oh. You didn't see. Allez, c'est qui? Slim? Allez, numéro 2. Slim, tu es là? Youssef? Numéro 2. Lina, numéro 2. Allez, Ahmed, numéro 2. J'ai colorié un grand dessin, j'ai un cours de musique. Oui, j'ai un cours de quoi? Correct, mot musique. The sentence musique. J'ai un cours de... Hein? Faux, c'est quoi? Un cours de... J'ai cours de... De français, de dessin, d'arabe, de quoi? Hein? J'ai un grand dessin, j'ai un cours de... Dessin. J'ai un cours de dessin. Ça va? Oui. Tu veux dire quelque chose? Je n'entends pas. Allez, Mira, numéro 3. J'ai écrit verbe aller. J'ai un cours de français. Ah. Oui. Juste. Bravo. Juste. Allez, commence à lire numéro 4. Tu m'entends? Allez, commence à lire numéro 4. Allez, Ali. Je porte un short. J'ai un cours de gymnastique. Vrai. Oui. Vrai. Très bien. Merci, Ali. J'ai un cours de gymnastique. Numéro 5. Hamza. J'écris verbe to be. J'ai un cours d'anglais. Oui. Très bien. J'ai un cours d'anglais. Et bonne chance à tous. Et merci pour vous. Et vous allez trouver le... La révision dans Google Classroom and the réponse et l'extra fiche. S'il y a des réponses, il y a des questions? Allez, Mira, il y a des questions? You raise your hand. Il y a des questions? I didn't. Ali, you have a question? You raise your hand. Non, ça va. Judy? I don't have a question. What does that mean? Ça va, Ali. Qu'est-ce qu'il y a, Ali?
Oui, Hamza? No, I don't have a question. Ça va, merci. Allez, au revoir et bonne chance à tous. Au revoir.